Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Primark. Voilà, donc je suis en pyjama, c'est mon petit pyjama grenouillère que j'ai eu à Noël. Donc je suis à l'aise, les cheveux encore un peu mouillés, tout ça. Enfin, bref. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y a beaucoup d'habits d'enfants. Parce qu'en fait, voilà, j'ai une petite cousine qui est née en mois de mars ou mois de mai. Je sais, à chaque fois, je sais plus. Donc. Bref, et je ne l'ai pas vu depuis et on va bientôt aller les voir. J'avais envie de lui acheter des petits vêtements, enfin bref, voilà. Et puis j'ai acheté aussi des choses pour la plus grande, voilà, parce que quand même. Et il y a des petites choses pour moi aussi, bien évidemment. Donc voilà, je vais prendre un peu comme ça vient, voilà. Voilà. Donc il y aura beaucoup de vêtements d'enfants, je préfère prévenir, donc si ça vous plaît pas, vous zappez la vidéo et si ça vous plaît, ben je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Donc c'est parti, on va commencer de suite. Alors, oui, donc de toute façon, il y a beaucoup de vêtements d'enfants. Alors, pour commencer, j'ai pris des bodys comme ça. À 4 euros parce que les bodys ça sert toujours pour les bébés. Hein. Pour les bébés c'est du 1 an, hein, du 12-18 mois, mais de toute façon en dessous ça aurait été trop petit. Et puis de toute façon comme ça elle pourra les mettre plus tard. Donc c'est des bodys comme ça, il y en a 3. Donc voilà, c'est des bodys blancs classiques à 4 euros les 3. Donc franchement ça va. N'empêche que ça monte vite, hein, parce que à 40 euros, hein, je suis arrivée. Donc ça, oup, ça monte vite, hein, mais bon, 4 euros, plus 3, plus machin. Ça monte vite, n'empêche. Ensuite, je vous montre aussi des choses que je me suis pris pour moi. Pour moi, j'ai pris une paire de chaussettes comme ça, bon. C'est des sockets, mais c'est pas grave, ça serait très bien. Ça a coûté 2 euros le 3,50, c'est Pinocchio. Donc on a celle-ci qui est pas mal. Il y a celle-ci. Et puis bah celle-ci. Voilà. Et je les ai trouvées super sympas. Voilà, ça change un peu. Voilà. Ensuite, on continue dans les vêtements d'enfants. Bon, là, j'ai plus le cintre. Hein. C'est un lot de deux. C'est des leggings, en fait. Pareil pour 12 mois. C'était 3,50 €. Donc, il y a celui-ci bleu avec des petits cœurs roses. C'est très mignon, je trouve. Hein. Franchement, c'est vraiment pas cher, quoi. Franchement. Et un rose. Tout simple, ça c'est bien comme ça, les parents, hop, ils enfilent ça, tac, tac, en mode vite fait, bien fait, quoi. Voilà. Hop. Ensuite, ça c'est pour la plus grande, j'ai pris un t-shirt. J'ai pris que deux t-shirts pour la plus grande, je verrai pour si je lui trouve autre chose quand je retournerai dans un autre Primark. Donc je lui ai pris celui-ci, rose. Ça, c'est pas cher non plus. Et 2,50 €. Donc voilà. Donc, même si c'est un peu grand, j'ai pris du 10-11 parce que l'autre, c'était du 9. 9-10 ans. J'avais peur que ce soit petit. Donc au pire, elle le mettra plus tard. Voilà. Les petites paillettes. Ensuite, pour moi, je me suis pris des paires de collants. Il y en a 3. Ça, c'était 4 euros. Donc, vous voyez, 4 euros plus 7 plus machin. Ça monte vite, hein, n'empêche. Hein, donc, 40 euros, c'est pas. Ça va, c'est rien. Bref, voilà, faut bien se faire un peu plaisir dans la vie. Sinon, voilà. Donc, du coup, celui-là en taille L, c'était 4 euros. Et 40 deniers, il y en a 3 paires. Voilà, ils sont. Voilà, c'est des collants. Hein. Moi, j'en mets pas souvent. Donc, je m'en fous un peu. Donc bon, voilà. Des collants noirs.
des chaussettes pour moi. Il y en a 7 paires, c'est des Socket. La prochaine fois qu'on va aller dans un Primark, j'en prendrai des. Celles-ci étaient à la caisse et quand je les ai vues, je me suis dit, oh, elles sont pas mal et tout, elles sont colorées. Donc voilà. C'est 3,50 € les 7. Donc il y a des roses, il y a jaune, bleu. Il y a des petits pois dessus, mais on voit pas trop. Il y a vert, blanc, gris et rose. Ah non, c'est pas trop, ouais, c'est vieux. Ça, c'est des sockets, hein, mais bon, c'est pas mal aussi. Mais il faut que j'en achèterais des grandes, voilà. Bon. Donc, voilà, des petites chaussettes bien sympathiques. Ensuite, pour moi, tiens, hop, moi je me suis pris un petit pull rose. Rose comme ça, en L. On verra si s'il est un peu grand la prochaine fois, j'en achèterai un deuxième, mais en M. Voilà. Donc il est vraiment pas mal, voilà. Pull classique, rose, tout doux, avec des petits boutons colvés, bien entendu, parce que j'aime pas les cols roulés, moi. Donc colvé, c'est très bien avec un t-shirt. Voilà, donc un petit pull tout simple, tout rose. Il est tout doux. J'espère qu'il va pas gratter. Oh, je pense pas, vu la matière, ça. Pas de matière qui gratte. Ensuite, j'ai pris des élastiques à cheveux. 1,50 €. C'est des trucs basiques, quoi. Je crois pas qu'il y ait de trucs en fer là, ces trucs-là, ça abîme les cheveux, je trouve. Ça ira très bien. Ça, c'est. J'ai déjà montré ça. Ensuite, j'ai pris une ceinture noire. Ah non, elle est pas noire, elle est marron, je crois, on dirait. Mais elle ressortira noire. Ah non, elle ressort marron. Donc, je l'ai payé combien ça? 3 €, c'est du. Elle, on verra, j'espère qu'elle est de meilleure qualité que celle que j'avais achetée une fois chez Primark. C'était la grosse daube, donc on verra bien. Une ceinture, parce que voilà, toujours besoin de ceinture. Ensuite, j'ai pris ça pour mettre à ma valise, j'ai une petite valise cabine. Voilà, puis j'ai pas de. J'ai deux valises et j'ai pas de quoi mettre. J'ai pas de. Ça coûte 3,50 €. Bon, c'est un peu gadget, hein, c'est Mickey, j'aurais pu prendre un tout simple. Mais bon, comme ça sera plus sympathique. Bref, voilà, j'ai deux valises et j'ai pas de truc. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci en. Avec Mickey, quoi. J'aurais pu en prendre un. Un simple, hein, c'est sûr, mais bon, celui-là est mignon, puis 3,50 €. C'est pas trop cher, voilà. Bref, un petit truc pour mettre sur la valise. Étiquette à bagages, voilà. 3,50 €. Forcément, si Disney, c'est plus cher, hein, tout de suite. Revenons aux habits d'enfant. J'ai pris pour la plus petite, donc c'est du 12-18. Elle était celle-ci à 4 au lieu du 8. Cette jolie petite robe à pois comme ça. Il y a des petits pois, des petits points noirs et tout. Je la trouve super mignonne. Voilà, elle a des petites manchouilles comme ça. Donc voilà. Un petit bouton derrière. Je trouve que c'est super mignon. Hein. Pour les petites filles, c'est vrai que c'est plus facile d'acheter des vêtements. Hein. C'est vrai que le rayon garçon. Ben, il est un peu vide. Hein. Là, on a été dans un grand Primark, hein. Créteil Soleil, il est immense, hein, celui-là. Voilà. Oui, donc celle-ci, elle était soldée. Voilà, donc elle est super mignonne. Une jolie petite robe. Voilà. Très mignonne,
Bon, elle était vendue avec un cintre, hein, mais le cintre, je l'ai bazardé. Hein. Ensuite, pour la plus grande, j'ai pris un... un deuxième t-shirt. Après, je pourrais prendre peut-être des jouets ou quelque chose. Un deuxième t-shirt, mais cette fois-ci, ça sera bien pour cet été. Pareil, c'est du 10-11 ans, ça, parce que le 9-10 ans, moi, j'ai peur que ce soit petit. Ça me paraît grand. C'est grand, hein. Mais elle mettra ça plus tard. Hein. Donc j'ai pris celui-là en gris avec un joli petit papillon. Ça, c'est les t-shirts toujours à 2 euros. 2,50 €. Donc je trouve ça super joli aussi. Excusez-moi, ça me chatouille au nez. Donc je le trouve super mignon avec un... Bon, voilà. Avec un joli petit papillon, voilà, paillettes et tout ça, voilà. Je pense que ça y fera plaisir, voilà. Après, c'est vrai que les habits pour les enfants, là, du 1 an, tout ça, ça fait... Ça, elle est quand même grande, donc je pense que ça y fera plaisir à elle. Mais les autres, les trucs pour les bébés, c'est surtout aux parents que ça fait plaisir. Moi, à vrai dire, je ne l'ai jamais vue, la petite. Donc, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Vraiment. Donc, voilà. Ensuite, bref. Un petit pyjama. Ça, voilà. Ça, par contre, j'ai pris chez... ça vient de chez Kiabi, ça. Mais c'est la même, c'est pareil. Et je l'ai payé 4 euros. Vous voyez, c'est vraiment tout simple, quoi. Il y a écrit mini cœur. 4 euros, franchement. Voilà. Donc voilà, un beau petit pyjama. Il est tout doux. Voilà, avec les petits pieds pour mettre les pieds en bas. Voilà. Donc, je trouve ça super joli. Voilà, manches longues. Voilà pour. Oh, c'est des petites manches. Après, c'est pour enfants. Là, par contre, j'ai vraiment pris du 12 mois. Ouais, 12 mois. Donc voilà. Très mignon. La qualité, c'est peut-être pas ouf, ouf. Mais ça prend compte. Hein. Et ensuite, le dernier article là, que j'ai pris. Ça, j'ai payé ça 12 euros. Bon, ça va, c'est pas très cher. 12 euros. 12 euros, c'est une petite robe. Petite robe en jean, comme ça. En jean, genre un peu. Ouais, petite robe, quoi. C'est, je trouve ça mignon. Ça, si je trouve une salopette, peut-être que voilà. Mais je trouve ça super joli. Elle peut le mettre hein, avec un petit t-shirt en dessous et tout. Enfin, voilà, très mignonne. Ça vient aussi de chez Kiabi. Voilà. Je trouve ça super mignon, super kiki pour une petite fille. Voilà. Écoutez, bah, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À plus!